Salut à tous, Celtistine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Football Manager 2019. Et comme d'habitude, si vous voulez acheter le jeu et que vous ne l'avez toujours pas, il est en réduction sur Games Planet. Je suis partenaire avec ce site, il est très très fiable. Vous pouvez l'acheter sans souci. Et le lien se trouve dans la description. Du coup, voilà mon retour sur FM. Je ne vais pas continuer la carrière que j'ai faite cette année avec le PSG. On va partir maintenant sur autre chose. Vous avez vu que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur une mise à jour qui permet d'avoir les 8 premières divisions françaises. Du coup, on va partir très très bas avec un club, je sais pas, de régional ou un truc comme ça, pour essayer de monter tranquillement. Je vous mettrai pas des vidéos vraiment hyper souvent, mais je vous updaterai de temps en temps sur la carrière. Sachant que je pars en vacances très bientôt, donc je ne pourrai pas non plus y jouer comme un dingue ces prochaines semaines. Mais en tout cas, je voulais commencer ça en attendant le prochain FM qui arrive, je crois, en octobre ou en novembre tous les ans. Du coup, voilà, ce sera sûrement ma dernière carrière sur FM19. Mais en tout cas, je me suis dit, vu que j'ai toujours fait que du PSG, etc., des grosses équipes avec des gros budgets, là, ça peut être pas mal vraiment de faire l'inverse, de commencer du bas et d'essayer de monter tranquillement, mais avec des joueurs qui valent pas grand-chose, etc. Vous allez voir avec cette mise à jour, en fait, si vous voulez l'installer, si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo sur comment l'installer. Je vous mettrai ça, le lien dans la description également. Et écoutez, voilà, c'est ça le souci, c'est est-ce que je vais réussir? Je sais pas du tout, je sais même pas quel club prendre. Je pensais prendre un club de la région parisienne, mais bon, en tout cas, on va utiliser ce profil d'entraîneur. Et je vais vous montrer tout de suite, regardez, en France... J'ai mis que la France, hein. J'ai même pas mis les autres pays européens, on va vraiment faire un truc français. National 2, il y a toutes les nationales, National 3 ici, Régional 1, Régional 2 et Régional 3. Mais là, si vous allez en Régional 3, je sais pas, regardez tout ce qu'il y a. Si vous allez en Régional 3, Pays de la Loire, vous avez des clubs de ouf, quoi. Vous avez vraiment les petites villes, les villes à côté de chez vous, etc. Je vais vous montrer une autre, Régional 2, je sais pas, Centre-Val de Loire. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais commencer en Régional 3, je sais pas. Je vais regarder un club à peu près de la région parisienne en Régional 3. Paris-Île-de-France, il y a 4 groupes, donc A, B, C, D. On va aller dans le A, mais regardez, c'est vraiment des tout petits clubs. On a Étampes, Évry, Tremplin Foot. Tremplin Foot, c'est marrant comme nom. Tremplin Foot, par exemple, c'est quoi l'effectif? C'est que des joueurs qui valent 0 euros. Franchement, ça peut être drôle, hein. Ceci dit, ça peut être assez drôle parce que il y a des joueurs qui peuvent prendre de la valeur, etc. On sait jamais. Si on regarde les stats, ouais, les stats, c'est pas terrible, hein. On va pas se mentir. Mais Tremplin Foot, moi, ça me fait marrer. Classement pronostiqué 10e. Est-ce qu'on peut pas prendre un club un peu plus qui peut faire vraiment quelque chose au moins en R3? Évry FC. Alors, le Évry FC, par exemple, tous les joueurs valent également 0 euros, mais ils sont perçus pour être peut-être 3e. On a un stade de 1500 places. Statut du propriétaire, il aime le club. Politique de transfert, aucune. Finance saine. Niveau de réputation, obscur. Donc voilà, c'est vraiment, ce serait vraiment commencer du bas. Donc c'est ça le choix. Sinon, on a Régional 2, Régional 1, ou sinon, on commence en National 3. Ce qui là, direct, c'est quand même des clubs un petit peu plus côté. Par exemple, on a FC Gobelin Paris 13. Ça me ferait marrer, ça me ferait vraiment marrer, franchement, de monter le FC Gobelin Paris 13. Classement pronostiqué 12e. Ou alors il y a Ivry, là, Ivry Football, classement pronostiqué 7e. Ils ont un maillot marrant, Ivry. Centre d'entraînement rudimentaire, stade 2000 personnes. Pourquoi pas Ivry? On va regarder. Les joueurs, voilà, ils valent un tout petit peu d'argent, un tout petit peu plus d'argent. Ça peut être sympa, je pense, de partir de là. Allez, vous savez quoi, on va partir avec Ivry. On va partir avec Ivry, c'est parti. Style de l'entraîneur. Alors là, on va se mettre carrément plus en entraîneur survette parce que franchement, je pense que ça va être compliqué de toute façon de faire autre chose. Hop. On va jouer directement. Et donc, c'est parti avec Ivry. Alors on va se faire une sauvegarde dans le cloud. Attendez, on va l'appeler US Ivry Football, on va le mettre en local plutôt. Non, on va le mettre dans le cloud, hop, c'est parti. J'ai jamais fait une carrière comme ça, on est en National 3,
Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je sais même pas quelle tactique adopter. Avec un club comme ça doit être quand même un peu différent. Et en tout cas, ils nous souhaitent la bienvenue à l'US Ivry Football. Les dirigeants sont contents. Les attentes pour la saison n'ont pas été finalisées. En ce qui concerne votre contrat, vous êtes en place jusqu'en juin 2019 avec un salaire de 35 000 euros par an. Ok, pas mal. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Assiste à la réunion, évidemment, on va le faire. J'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous souhaiter la bienvenue. Ok, parfait, commençons cette réunion. Alors, l'USI est un club avec un long passé. Les supporters apprécient qu'un nouvel entraîneur prenne le temps d'en savoir plus sur son histoire. Très bonne idée. Comme indiqué dans le message de bienvenue, le club ne vous demandera pas d'adhérer à une philosophie particulière. Ok, bon, bah en tout cas, moi je pourrais décider de la philosophie. Il est habituel d'organiser une conférence de presse à l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Alors oui, c'est une bonne idée. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vais maintenant passer la parole à votre adjoint qui a plusieurs choses à vous indiquer, d'accord? Pour terminer, sachez que les nombreuses responsabilités au sein du club peuvent vous revenir ou être confiées à d'autres membres du staff. Vous êtes libre de les déléguer comme bon vous semble. Très bien, merci pour la présentation du club. J'espère qu'on fera des grandes choses ensemble. Alors lui, qu'est-ce qu'il me dit, Nadir Marx? Oui, merci, serait bonne. Alors bonjour Alti, je me présente, votre adjoint, j'ai quelques questions à vous poser. Alors, ce serait bien d'avoir une vue d'ensemble, une seconde opinion. Ouais, ça je vais lui dire ça parce que je connais pas l'effectif, je vais lui avouer, c'est pas comme au PSG quand j'arrive et je connais tous les joueurs un peu par cœur. Souhaitez-vous que j'organise une réunion avec le reste du staff? Oui, ce serait une bonne idée. Souhaitez-vous de l'aide? Alors ouais, moi je voudrais de l'aide surtout avec des équipes de jeunes. Ne vous privez pas pour moi, m'occuper des autres équipes ne m'intéresse pas plus que ça. Pas de problème, ça sera parfait. Sinon, pour l'instant, non, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Je sais où le trouver si j'ai besoin de son aide un peu plus tard. C'est tout pour aujourd'hui. Sortie. Alors, du coup, j'ai préparé un bref rapport sur les dernières recrues du club et ses engagements actuels sur le marché des transferts. Du coup, on vient de recruter un joueur clé milieu défensif qui s'appelle Jonathan Ribadera, évalué à 57K, qui a l'air plutôt pas mal. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a eu Keba da Silva, Amine Kachour et Pitokles Basolo. Tous ceux-là, ils sont arrivés gratuitement, j'ai l'impression. Mise à jour des blessures, personne n'est blessé. La tactique, la tactique, ouais, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Non, on va peut-être pas suivre la présentation tactique. Je pense que la tactique, je la ferai tout à l'heure. Présentation de l'entraînement. Ça, l'entraînement, il faudra. Ouais, ça, l'entraînement, j'ai été obligé de le faire à un moment. Mercato en cours pour la France. Ouais, Paredes, Fabregas, Kerrer, c'est pas trop pour moi tout ça. Alors, année de fondation du stade 1919, stade Édouard Clerville, ok. Résumé des conseils. Je sais pas. Hein. Je souhaite une amélioration des structures de formation. On va essayer. Hein. Ok. Il veut pas pour l'instant. Nommé capitaine. On va lui faire confiance parce que nous, on ne connaît pas du tout les joueurs. Donc pour l'instant, s'il me dit que lui sera un bon capitaine, je vais essayer de lui faire confiance. Marx nous présente son rapport sur l'effectif. Alors, l'effectif, centre. L'un des points forts de l'équipe est la qualité de ses centreurs. Ah, ça c'est bon à savoir. L'équipe possède plusieurs bons tireurs de corner. Donc coup de pied arrêté, centre, ça peut être bon. Le budget salarial reste conséquent, avec 83K encore disponibles. Ça c'est nice aussi. Fabien Lippmann est le meilleur parmi trois joueurs pouvant évoluer au poste d'arrière droit. Ok. Michael Niçoise est une option remarquable en attaque. Donc Niçoise en attaque et Lippmann arrière droit. On va essayer de créer une première tactique avec du jeu sur les ailes. Hein. Je pense qu'on peut essayer de jouer sur les ailes pour faire beaucoup de centres. Vu que c'est a priori ce qui a l'air d'être pas mal pour nous. On va faire un 4-3-3 à mon avis. Tranquille. Et alors du coup, il nous avait dit qui c'est. On va faire une sélection rapide. On va voir qui y a. Ok, il n'y a personne. Je suis mort de rire, mais. Alors attendons. Fabien Lippmann, lui, ça va être l'arrière droit. Ok, il est là. Alors, en fait, il n'y a personne parce qu'ils sont en vacances, mais c'est pour ça. Du coup, on va avancer un petit peu. En tout cas, franchement, ça va être assez marrant, quoi, je pense, cette carrière. Je sais même pas s'il y a des matchs amicaux qui sont prévus. On va assister à la conférence de presse. Alors, bonjour Altice, que ressentez-vous maintenant que vous êtes à la tête de l'US Ivry Football? Je suis fier d'avoir été choisi pour faire du travail.
On va dire, bon, bah, ça, c'est un peu la langue de bois perpétuelle. Hein. Pourquoi avoir choisi l'US Ivry Football? Il y a du potentiel. Avez-vous hésité? Pas un instant. Vous avez souhaité devenir entraîneur alors que vous n'avez que 24 ans. Certains ont critiqué cette décision. L'âge n'a pas d'importance. Ouais. Je suis très heureux. C'est en effet un style de jeu que j'apprécie. Alors, porté sur l'offensive. On va essayer, on va essayer. Hein. Quoique, on va rien dire pour l'instant, parce que si je leur fais croire qu'on va être une équipe super offensive et qu'on ne le fait pas, ça risque d'être chaud. Hop, on va faire des changements. Je fais confiance à tous les joueurs de ce groupe. Ouais. J'ai pas encore. Ouais, je les ai pas encore vus vraiment. Ils ont un rôle majeur à jouer, les supporters. Il faut viser haut. Allez-vous reposer sur des joueurs tels que Pitocles Basolo? C'est un joueur formidable. Ok, je vais dire que j'essaye de faire progresser les joueurs. Alan Merrell conservera-t-il le brassard de capitaine? Probablement. Certains entraîneurs sont connus pour beaucoup s'impliquer alors que d'autres se tiennent plus en retrait. Ah, il faut s'impliquer, je pense, hein. Ils peuvent venir me parler. La compétition, bah ouais, c'est le championnat National 3. Et voilà. Ok, on va faire continuer. Là, on est en période de repos, en fait. Il y a une grosse période de repos et je pense que je vais aller regarder le calendrier, voir ce qui se passe après. Je pense qu'on a quand même des matchs amicaux qui ont été prévus, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse période de vacances. On joue contre Courbevoie le 14 juillet et là, pour l'instant, on est le 17 juin. Donc c'est pour ça, c'est encore les vacances. Allez, une petite sauvegarde. En tout cas, ça commence plutôt bien. J'ai hâte, surtout, j'ai vraiment hâte. J'ai jamais joué avec cette espèce de pré-formation, là, pré-tactique pour faire des centres. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir centrer vu que c'est notre point fort. On a des bons centreurs. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Réunion de recrutement. Alors, gardien de but de 18 ans, Guillaume Biévez. Biévez, il propose ses services. Prise de balle 11-18. On va le superviser un petit peu. Attaquant de 32 ans. On va superviser également. On va superviser tous les joueurs, non? Histoire d'avoir un peu d'infos pour les recrutements. Pré-saison. Est-ce que la tactique est si en venue de vacances? Est-ce qu'on va faire une sélection rapide? Pas vraiment. On va continuer. Je veux faire vraiment une sélection rapide pour voir pour que l'adjoint me mette les bons joueurs directs sur la feuille de match et que je puisse voir après par rapport à leurs remplaçants, etc. etc. L'entraînement, pour l'instant, il n'est pas fait non plus. Il va falloir le faire aussi. On va continuer. Et le début du mercato, ce sera le 1er juillet 2018, parce qu'on est en 2018. Évidemment. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte de réception? Réunion de recrutement. Libre de tout contrat. Il a pas l'air ouf. C'est ça qui est quand même marrant, c'est qu'on va avoir des joueurs là qui vont vraiment pas être ouf du tout. Va falloir essayer de. Je sais pas s'il va falloir recruter. On a un peu de masse salariale en plus, donc pourquoi pas essayer. Rapport de pré-saison, le CS Mo Academy. Résumé du conseil du staff. On va appliquer les conseils du staff pour l'instant. Parce que pour l'instant, on ne connaît pas vraiment les joueurs. Ça, on ne sait même pas qui c'est. Mamadou Traoré, entraîneur de l'équipe réserve. Ça, c'est pas, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui dois gérer ça. On va essayer de tirer un peu sur les salaires. Il veut pas, on est obligé. De toute façon, on est obligé d'avoir un préparateur physique, quoi. Sinon, ça va être la galère. Recruteur, on n'a pas de recruteur. Bah, écoutez, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de recruteur. On va en prendre un. Le bail termine d'observer Biévez. Biévez, il est intéressé pour venir. Évolue actuellement à un niveau équivalent en National 3. A le potentiel pour devenir un joueur de National 2, serait une bonne recrue.
Donc ça peut être pas mal. C'est un gardien de but de 18 ans. Il faudra voir ça par rapport à un autre gardien. Razak, lui, salaire estimé, serait une recrue utile. C'est un petit peu moins bien que Biévez. Biévez, a priori, il aurait l'air un peu chaud. Sachant que notre gardien, c'est qui? C'est Eric Fournier. Ah, il est encore moins bon, hein. Honnêtement. C'est pas l'assurance touriste, je pense, Eric Fournier, du coup. Du coup, est-ce qu'on peut faire une. On peut proposer une période d'essai, peut-être à Biévez. Je sais pas si ça se fait un peu. Période d'essai, on peut voir ce que ça donne. Il est prêt à passer un test, mais c'est parfait ça. Accepté. J'ai jamais fait ça, parce que j'ai jamais fait de période d'essai comme ça. Vous a appelé pour poser une question. Avec la mise à l'essai de Guillaume Biévez au club, beaucoup se demandent quelles sont les chances d'obtenir un contrat. Ça dépend de lui. On va dire s'il est chaud, pourquoi pas le prendre? Ok, c'est encore le repos. On va avancer, avancer, avancer. Réunion de recrutement. On va superviser encore des joueurs. Alors, le joueur de l'US Ivry Football attise les convoitises. C'est le qui? Il y a un joueur, Michael Niçoise. Donc là, lui, non, parce que. Ah ouais, il a carrément des offres en Turquie, en PTT1 League. Non, faudrait qu'il reste. Il a 33 ans, faudrait qu'il reste quand même. On va voir ce que ça donne. Là, on a les fins de contrat, Ribadera. On a des bons joueurs là, il faudrait leur offrir des contrats. Hein. Finaliser la promesse, ok. Lippmann. On va essayer de baisser un tout petit peu. Hein. Ils veulent pas trop, quoi, c'est ça le truc. Diomandé vers l'US Ivry Football. Arnaud Diomandé a trouvé un accord. Il devient adjoint U19 au sein de l'équipe. On va dire accepté. Ça va être le début du mercato estival. Le transfert de Jordan Veil, c'est au point mort. Ok, Lemoine, Patrice Lemoine a trouvé et devient recruteur. Ouais, c'est pas mal d'avoir un vrai recruteur. L'effectif, il est là. On n'a pas beaucoup de joueurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On n'a que 16 joueurs. Ça fait un petit peu limite. Mais ceci dit, je ne sais pas si on va pouvoir vraiment en avoir 22. A trouver un accord avec lui, s'il devient préparateur. Ok. On va voir ça. En tout cas, c'est assez spécial. Je ne sais pas si vous avez déjà. Est-ce que vous avez déjà. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà monté un club vraiment de tout en bas jusqu'au top? Franchement, ça doit être super long. C'est possible, hein, il y en a qui le font, mais bon. Est-ce que vous l'avez déjà fait vraiment, quoi? Nouveau sponsor, Mayo. Nice. Ça fait un peu d'argent. C'est cool. Préparation de pré-saison. Programme normal, organisé amical, c'est déjà fait. Niçoise, il est parti, hein. Il était libre en fait. Aïe aïe aïe. Les attentes des dirigeants pour la saison prochaine. Alors, il faudrait être parmi les premiers du classement. Première moitié de tableau, je pense. Coupe de France atteindre le 8e tour. Ok, très bien. Les objectifs sont pas trop élevés, mais justement, on va pas se mettre trop de pression pour la première saison. On n'a pas le meilleur effectif a priori, donc on va voir. Fin de l'essai. Bon, de toute façon, je crois qu'il va falloir qu'on le prenne. Hein. C'est un grand espoir. Et on va le prendre après sa période d'essai parce que notre gardien, là, quand je l'ai vu, notre gardien à nous, quand j'ai vu ses stats, je me dis, il vaut mieux prendre un jeune de 18 ans. Qui a l'air assez chaud et qui a potentiellement un niveau national 2. À mon avis, ça peut être pas mal. En tout cas, ça va être bientôt la pré-saison. Les joueurs vont revenir de vacances et on a un match direct contre Courbevoie.
Alors franchement, on va regarder ce match ensemble. On va faire ce match ensemble, pas regarder, pardon. J'ai observé Kinder. Kinder serait une très bonne recrue. Bah écoutez, Kinder, c'est un gardien de but de 21 ans. Ah, le truc, c'est qu'on vient d'en prendre un, quoi. C'est dommage, quand même. Bon, c'est pas grave. Kinder et son B. Et son B serait une bonne recrue. Est-ce qu'on prend Biévez ou Kinder? Oh, Biévez, il a des stats pas mal, quand même, hein. Bon, contrôle de balle, communication, ça va pas du tout. Allez, on va prendre le belge. On va prendre le belge. On va voir. J'ai pas envie d'avoir un gardien qui s'appelle Kinder. Ça va déconcentrer tout le monde, je crois. Donc, vaut mieux Biévez. Guillaume Biévez, gardien de 18 ans. Prime de match, 85 euros. Prime de clean sheet, vous avez vu, 15 euros. Quand il prend pas de but, on doit lui lâcher 15 euros. Comme ça, il peut s'acheter un kebab à la sortie du match. Allez, on va rencontrer les joueurs. Ils sont revenus de vacances. Il y en a qui sont influents. Hein. Vous avez vu, il y a Lippmann, il y a Piolet Sienna, Ribadellera et Boulesch. Pour me présenter, voilà. Ils sont contents. Alors, je vais leur dire qu'on veut viser le haut du classement. Ah, d'accord. Ah, ils sont pas d'accord. Hein. Ils sont pas d'accord du tout. Ils pensent vraiment qu'ils sont vraiment nuls. Ah bah voilà, ils sont contents, ça y est, c'est la réaction que j'attendais. Ok, bon, ils sont bizarres, hein. Ils sont un petit peu bizarres. Supprimer tireur, tireur de coup franc dans l'axe, résumé des conseils d'entraînement, appliquer. On va appliquer ça, les conseils d'entraînement, tac, tac. Et on va enfin pouvoir faire cette première tactique. Avec une sélection rapide, alors que ça donnerait quoi? Da Silva. En attaque, Da Silva, vitesse 13, accélération 14. Il va vite, Keba Da Silva. On a Bazolo sur le côté gauche. Ah, ça, c'est Pitocles Bazolo. On a Tallinn, Brahim Tallinn à droite. Mais il a l'air pas mal, 3 étoiles. On a Kachour. Alors là, ils jouent pas vraiment à leur poste. Ça m'arrange pas. Boulesch, lui, c'est un des joueurs influents. Il est arrière droit. Ça, c'est dommage parce que le joueur influent, en fait... Ah, lui, il a des meilleures stats, hein. Piolet Sienna, là. Il a des meilleures stats que Da Silva, hein, je pense. On va mettre Piolet Sienna. Bon, écoutez. Franchement, moi, je veux juste faire ce match pour voir. Voir ce que ça donne. Voir à quoi ça ressemble, comment ça joue. Parce que, franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai jamais fait, moi, de petites divisions comme ça. Donc, ça risque d'être folklorique. Je sais pas si ça va jouer en passe, etc. On va faire des centres et prier. Je pense que ça va être assez basique comme football. Mais on va voir si on peut battre Courbevoie. Et puis ce serait bien de commencer sur une victoire. Comme d'habitude, c'est toujours bien de lancer la saison, même si c'est un match amical. C'est toujours bien de commencer là-dessus. On n'a pas de directeur sportif. Ouais, ben ouais. Entraîneur équipe réserve. On va pas. Je sais pas en fait. On n'a pas de kiné, ouais, c'est chaud. Il faut qu'on prenne un kiné obligé. Hein. On est obligé, sinon on aura des risques de blessures de dingue. Je veux juste faire ce match, moi, pendant cet épisode, et voir après ce qui va se passer. Hop. On a mis donc cette tactique un peu prédéfinie, toute faite pour centrer, faire beaucoup de centres. Présentation du match. Sélection de l'équipe. On va mettre Piolet Sienna comme ça en attaque. Cachour, il n'y a pas grand monde. J'ai pas beaucoup de joueurs. Hein. Wow. Va falloir recruter parce que j'ai pas énormément de joueurs. Regardez au milieu, ça va pas du tout. Ils sont pas du tout. Ils correspondent pas vraiment au poste. Il va falloir faire quelque chose. Lui, on va le mettre en milieu axial. Au moins, il sera à son poste. Alors que lui, non. Ici, on va le mettre en récupérateur. Je pense que c'est plus simple, récupérateur. On va essayer ça comme ça. 4 remplaçants sur 12 possibles. Ouais, on n'a pas un gros effectif. On a 16 joueurs. Maxi. On va partir comme ça. Causerie. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? Ça a beau être un match de préparation, je veux que l'on s'impose aujourd'hui. Yes.
On va dire ça. On joue sur un tout petit stade, là c'est mignon. Et alors attendez, je vais mettre la caméra analyse de données. Comme d'habitude, c'est celle que j'aime bien. On va faire un peu moins de hauteur quand même. On va la zoomer comme ça. On va se mettre en mini résumé. Et on va, je sais pas si on laisse le son. Ouais, on va laisser le son, il est pas trop fort. Oh. Au moment où je dis ça, en fait, on va enlever le son, il est beaucoup trop fort. Et c'est parti, on va accélérer évidemment la caméra. Oh, Piolet Siena qui est déjà... Ouh, attendez, il n'y a pas une petite occasion. Non, il faut juste que je... Que je me souvienne où je mets la vitesse plus rapide. Attendez, c'est pas là. La vitesse de jeu, je me souviens plus où elle est. Attendez, je vais faire une pause. Normalement, je sais que c'est là-dedans, non ? Info match, là on le laisse. Masquer le terrain, analyse de données, mini résumé, vitesse moyenne. C'est ici, hop là. Oh, et le premier but de Thomas Piolet Siena. 1-0 direct. Franchement, je vais voir le ralenti parce que j'ai complètement raté. Du coup, j'étais dans mes options. Oh, la grosse bourde de Lehmann, le défenseur adverse. Et la frappe directe. Direct. Premier but de Piolet Siena. Magnifique. Franchement, on ne pouvait pas espérer mieux là. On ne pouvait vraiment pas espérer mieux. 1-0 au bout de 4 minutes. C'est nickel. Franchement, parfait. Du coup, j'étais pour la vitesse. Ici, entre les temps forts, on va mettre la vitesse à fond. Et c'est parti. Ouf. Pour l'instant, je crois que c'est un peu Courbevoie qui domine. On va voir ce que ça donne. Piolet Siena. Oh, dommage la frappe. C'était bien joué. On est en mini résumé encore. Attendez. Je vais peut-être changer réalisateur. Non. Défilement vertical, c'est pas terrible. Derrière le but. On va se mettre derrière le but. Comme ça, ça fait un peu genre on est vraiment dans un petit stade. Je trouve que c'est pas mal. Allez. Kachour. El Hamdaoui. Kachour qui balance un peu devant. Dommage. Lemierre. Martelly. Attention à Fort. Oulala. Là là, poteau. Le poteau qui nous sauve. Belle action là de Courbevoie. Le corner. Et on mène toujours 1-0. On a un petit peu dominé, mais franchement, pour l'instant, on tient. Oh, le kick and rush. Oh, le but de Piolet. 2-0 et le doublé pour Thomas Piolet Siena. Qui est bon, hein. Il a l'air bon. 27 ans, il est bien là. Il est très très bien là. Nickel. L'année dernière, c'était 19 apparitions, 5 buts. Et ben là, il va faire encore mieux cette année, j'espère. Hein. Quelle passe là Quel gros, c'est vraiment du kick and rush. Hein. Il a tapé devant en profondeur. Par contre, Piolet, il arrive et il déconne pas. Hein. Franchement, il arrive, il met des mines en pleine lucarne. Nickel. Allez, 2-0 pour Ivry. On est là pour l'instant. On est bien là. Et encore Piolet, s'il y en a. Encore une passe en profondeur. Et 3-0. Mais c'est pas croyable. Oh, je suis mort de rire. Et franchement, c'est quoi ce truc? Le mec, la Goussard, il a mis une mine devant, franchement. C'est assez incroyable, quoi. Magnifique triplé et coup du chapeau hein, pour Piolet Siena, qui a un nom vraiment relou à prononcer. Piolet Siena, mais bon. Non, mais pas le quatrième. Mais... et quatrième but de Piolet. Je suis mort de rire. À chaque fois, regardez les buts. El Hamdaoui, il a mis une mine encore. À la Marco Verratti, quoi. Tout droit, en profondeur, entre les deux défenseurs, du gauche. Quadruplé pour Piolet Siena. C'est incroyable ce qui se passe. Je comprends pas. J'ai cru que Bazolo, Piolet pour Bazolo et ça va être un corner. Il manquerait juste au but de la tête là pour le quintuplé, ce serait parfait. Ah non, c'est lui qui tire carrément le corner. Ah, il lui manquait une passe D à Piolet Siena. Bon, en tout cas, on a l'air d'avoir un bon joueur. Hein. 9,7 de notes. Oh, y a quel crack. On a un crack dans l'équipe, hein, je pense. Sur le banc, il n'y a que 4 joueurs, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Et bon, on verra bien. Allez, Piolet, Kachour, Tallinn,
Staline qui frappe de loin, dommage, s'arrêter par Lacoste, le gardien. Ah, franchement, ça va être des barres cette saison, je pense. En tout cas, on pratique un jeu, mais on peut pas faire plus direct que ça. Continuer sur ce rythme, ils ont l'air contents. Franchement, bah là, 4-0, honnêtement, ouais, continuer sur ce rythme. Hein. Attention à Simon. Allez, faut pas prendre de but. El Hamdaoui. El Hamdaoui va balancer une mine. Voilà, la grosse mine. Non, cette fois, ce sera trop profond. C'est récupéré par le gardien Lacoste. C'est énorme. On va continuer en normal comme ça. Le moine Baldé. C'est pas Keita Baldé, hein. Je pense que c'est un autre Baldé. Ça balance, attention en profondeur. Ouh, la frappe de Robin. C'est assez basique comme football, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, quand on joue avec le PSG, c'est les petits 1-2, ça tourne autour de la surface. Là pour l'instant, ça balance des missiles. Ouh, le coup franc, quel arrêt du goal. Oh, nickel. Alors là, le goal, c'est Dibater. On n'a pas mis notre petit gardien de 18 ans. Oh là là, on a été sauvé deux fois par le... Ah non, c'est nous qui avons fait le poteau, d'accord. Contre-attaque de Courbevoie. C'est bon, corner de Rodriguez. Attention qu'on prenne pas le but là. Ouais, ça, on le sentait arriver. Et c'est Steve Trichesse, ou Triche, qui va marquer le but. Il va réduire le score. Bon allez, on va pas mater son ralenti. C'est assez équilibré, sauf que bah du coup, nous on a un attaquant qui a vraiment été efficace. Piolet qui tire le corner. El Hamdaoui. Encore un centre. Oh, dommage, c'était bien joué ça. 14 tirs, 7 cadrés. On est dans des stats plutôt pas mal, franchement. Policar, Simon, Lemoine, ouf. Allez, on va peut-être faire des remplacements. On va faire entrer Boulèche, Valentin Dufour, on va le faire entrer à la place de Ribera. Et est-ce qu'on le sort? Non, on le sort pas, franchement, on le sort pas. Hein. Après un match comme ça, on peut pas le sortir. Il fait tellement le match de sa vie que... Allez, la frappe de Cachour. Ribadellera, Cachour. Oh, dommage, la balle est perdue. Ça va être la fin du match. Hein. Franchement, eh, premier match de amical, de préparation, c'est nickel, hein, honnêtement. Quadruplé, 4-1, rien à dire. Si c'est comme ça qu'il faut jouer pour gagner, on le fera. En attendant, de toute façon, je pense pas qu'on ait des joueurs très très techniques. Donc s'il faut jouer comme ça, on le fera, et en espérant pouvoir gagner. Piolet pour le coup franc, dommage. Je vais l'appeler juste Piolet, je pense que ce sera plus simple. El Hamdaoui, Piolet. Da Silva, ça joue là, ça joue, bien joué. Ça joue bien même. Regardez ça. Ça change de côté, Boulèche qui va centrer, dommage. Franchement, ça joue pas mal là. Hein. On joue mieux qu'au début du match, je trouve. Hein. Cachour. Ah, dommage. Bon, il rate un peu des passes, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Et c'est fini. Et du coup, on va gagner 4-1 ce premier match. Je suis hyper content. Je vais leur dire que franchement, je suis très content de ce que j'ai vu. Voilà. Je vais leur dire vraiment que c'était très très bien. Et du coup, ça va être la fin de cet épisode parce que là, on a débordé. Ça fait longtemps que je suis en ligne. Je vais vous laisser. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de lâcher un like si vous aimez la vidéo, si vous voulez que je fasse cette carrière. Je vous dis, je vais pas avoir le temps tout de suite de la continuer beaucoup, beaucoup. Mais il y aura quelques épisodes qui vont arriver bientôt. En tout cas, pour un premier épisode, je me suis bien amusé. Et regardez, on est 14 clubs. J'espère finir dans les premiers. On va tout faire pour essayer de finir dans les premiers avec Ivry. Sur ce, c'était Altistine, je vous laisse, je vous dis ciao à tous, bonnes vacances, à plus tard.